tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter deux envois que je vais envoyer à des personnes pour un échange sur des groupes. Donc le premier, c'était un échange de pocket letter pour Virginie sur le groupe de Natacha, ses bricoles et ses bidouilles, ou ses bidouilles et ses bricoles. Enfin voilà. Alors, c'est ma première pocket letter, donc je lui ai fait comme ceci, elle est fermée avec un tine bleu et des plois blancs. J'ai mis comme ceci un attache avec un flocon de neige, donc c'était sur le thème de l'hiver. Voilà. Toc. Fais attention parce que les petits cadeaux, ils s'envolent. Voilà, je vais lui remettre, pas grave. Donc, ma pocket letter. Donc là, j'ai fait le fond moi-même avec des bruchots. Donc, Hello Winter. Au fond, dans le fond, j'ai tamponné des flocons. J'ai mis des demi-strass. Mince, la dentelle. Là, on a le petit ourson avec des flocons. Là, on a l'ours avec qui part faire du ski. J'ai colorisé avec les crayons d'action. On a des gouttes d'eau. Le fond, pareil, avec des flocons. Ensuite, on a celle-ci. Donc on a un paysage enneigé avec une petite étoile. Là j'ai découpé sur une carte postale un petit renard. Je vous la présente rapidement. Là on a un bonhomme de neige en die cut avec une rose et toujours les flocons en arrière-plan. Voilà. Là on a un cabochon flocon de neige avec un petit pingouin qui boit une tasse de chocolat. Ou de café, je ne sais pas. Là j'ai mis du foil, une bande de foil. J'ai mis un petit renne avec une fleur. Et là, on a des petites maisons avec une enneigée d'étoiles et des petits flocons. Voilà. Donc, derrière, je lui ai mis, j'ai eu du mal à remplir un morceau de dentelle, des perles d'eau rouge, or et blanc. Là, j'ai mis des flocons, mais il y en a plein qui viennent de tomber. Je vais lui remettre. Là, des die-cuts vintage, mais sur le thème Noël. Là, on a des petites étoiles, des die-cuts en bois, encore des étoiles, d'autres die-cuts en bois. Et là, je lui ai mis des breloques lune et Made in Wish. Je crois que c'est comme ça. Made Wish Love en forme de cœur. Donc, voilà. Donc, je vous montre l'envoi avant d'y envoyer. Donc, pour ma première pocket letter. Ensuite, je lui ai fait une petite carte très, très simple. Donc, j'ai embossé à froid le fond avec des flocons. Donc, ça, c'était une planche d'embellissement de l'année dernière. Enfin, d'embossage de l'année dernière. J'ai mis deux perles d'eau et là on a un grand cerf, voilà. Toute simple, j'ai écrit son mot derrière. Et donc elle veut faire un album bébé et je lui ai dit que j'avais des découpes, des tamponnages et des trucs en bois qui me restaient et que je ne le fais plus. Donc j'ai fait un petit livret comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien y voir. Là on a... Alors attendez, je vais essayer de trouver... un bout de papier pour vous y montrer. Alors bougez pas, je vais prendre une feuille noire. Hop. Ça, ça va là. Voilà. Donc je lui ai fait des carousels. Je sais pas si vous voyez mieux, vous allez me dire. Ensuite, je lui ai fait, donc là vous voyez bien normalement, des petits nuages et ils sont troués avec des cœurs. Ça, je pense que ça ne sert à rien. Je lui ai fait comme ça la réglette avec ABC et puis les animaux. Je lui ai mis des petites têtes de lapin comme ceci. Je lui ai mis des tétines. Là, il y a deux mots welcome. Là, donc ça venait d'une guirlande. On a un ours, un nuage et les petits pieds. Là, je lui ai mis plein de confettis de ourson blanc. Ça, c'est du papier aquarelle. Là, donc j'ai mis, je ne vais pas vous ouvrir, j'ai mis tous les die cuts qui me restaient. Donc, il y a Dream, Boy, enfin voilà, plein de mots. Et des embellissements en bois. Donc là, vous avez un panda. On a Dream, Boy, Smile, Lovely et un Body. Voilà, ça, c'est tout ce qui me restait de l'album d'Anthony. Donc, quand on peut aider les copines, on le fait. Ensuite, j'ai mis un petit carnet bloc-notes comme ça de Winnie l'ourson. Et pour terminer, pour Virginie, je lui ai fait plein de tamponnages. Vous voyez, donc là, c'était une planche de bébé. Donc, on a les petites chaussures.
It's a boy, c'est pour un garçon. On a les biberons. Donc je passe vite hein, parce qu'il y a encore les chaussures. It is a boy, le biberon. Ça, c'est une planche de tampon Florilège Design. Voilà. On a le renard, mais je lui ai refait parce qu'il est un peu taché en dessous. Comme ceci, avec le bébé. En plus, on a des mots. Je t'aime jusqu'aux étoiles. On a beaucoup de mots. Et je sais pas trop. Je vous les lis parce que on a petit ange et petite bouille à bisous. Vous voyez, le ange, il est comme ceci. On a tendresse et 100% adorable. Je sais pas. Vous savez, moi, je suis un petit peu nulle. On a notre petit bonheur. Chute bébé d'or avec une lune et des étoiles. Dans mon bain et premier pas. J'ai besoin de ton cœur pour faire battre le mien. Donc ça, c'était Florilège Design. Bouille à bisous. Il y a beaucoup de chez AliExpress aussi. Hein. Là, on a concentré de douceur, instant magique et mon mini moi. Voilà. Là, on a tué à croquer, petit trésor, tué irrésistible. Je le trouve trop sympa. Bébé d'amour, 100% papa, 100% maman et moment unique. Voilà. Donc, j'espère que tout ça va l'aider. S'il y en a qu'elle revue en double, ben je lui en referai. S'il y en manque, je lui en referai. Voilà. Il n'y a aucun souci. Vous voyez, je vais le fermer tout de suite. Voilà. Ensuite, je vais préparer un envoi pour Karine sur le groupe pour le plaisir de scraper. Je crois que c'est ça. Donc, c'était un tag thème hiver. Enfin, nous, on choisissait ce qu'on voulait faire. On a choisi le thème hiver. C'est pour le plaisir de scraper, le groupe. Donc, pareil, j'ai récupéré un fond au bruchot. Je l'ai maté avec un papier bleu comme ceci. Voilà. J'ai mis une dentelle de strass. Deux strass là. Un day cut enfin, que j'ai découpé sur les blocs de papier action de cette année. Un petit ours qui tient un chocolat avec des chamallows. J'ai mis un ruban bleu avec un flocon et un petit pompon comme ceci. Voilà. Après, j'ai mis mes coordonnées derrière. Ensuite, pareil, j'ai fait la même carte très très simple. Pour accompagner mon courrier. Et pour accompagner tout ça, bah pareil, je lui ai mis des petites perles d'eau dorées et rouges. Voilà, je trouve que c'est sympa de mettre un petit cadeau dans l'envoi. Ça me fait plaisir. Et c'est toujours sympa de recevoir des petits envois comme ceci. Eh bien, écoutez, je vais envoyer ça dès demain. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. I'm gonna go get some more.